Salut Camarou. Salut. Comment ça va ce matin? Une grosse actualité encore qui vous a largement inspiré, semble-t-il. On rappelle que c'est un faux journal et c'est Chamassi qui éternue. Vous en avez encore un peu, mon capitaine, là. Voilà. Donc, c'est le faux journal. Tout ce que vous racontez Oui, il faudrait juste qu'il ouvre son micro, Camarou. Voilà, tout ce que vous racontez est faux et complètement faux, Camarou. Non, c'est pas faux du tout. Allez, qu'est-ce qui vous a inspiré? D'ailleurs, on va commencer ce faux journal avec les chiffres de l'INSEE. C'est vrai que 212 645. Je commence vraiment à m'étonner. Moi, ça me fait rire, ce chiffre. Pourquoi ? Quand j'entends ça, c'est pas un gros chiffre non plus. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. On se disait, putain, ça y est, en 2012, quand même, on est à 300, 400, quand même, ouais. Pour se rapprocher un peu quand même de la 18e commune de Mayotte, Marseille. Donc, je comprends pas. Mais en tout cas, ça tombe bien, parce que 212 645, ouais. Moi, je me dis... Si vraiment les habitants, les citoyens, tout le monde s'y met, ben ça y est, on va commencer à stopper l'hémorragie du Conseil général. Hein. Pourquoi ? Vous imaginez, moi, j'interdire en porcelaine, hein, si chacun met 1 euro. Ouais. Ben, on va pouvoir déjà, nous, déjà contribuer à sauver le Conseil général. Vous imaginez la réflexion de Jacques Martial Henry là-dessus ? Je ne veux pas savoir si on est 212 645. L'important, c'est que Mayotte aille de l'avant. On peut être, bien sûr, on n'est pas Pékin non plus. Donc, du coup, moi, ce que je me dis, tout simplement, je pense normalement, on devrait être 212 646. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec ici, on ne sait pas où est-ce qu'il habite exactement. C'est qui ? C'est Yann Durosade. Ce mec-là, on ne sait pas s'il habite en Guyane ou il habite à Mayotte. Le mec, on l'envoie en Guyane, il affecte en Guyane, il revient à Mayotte. Donc, t'habites où ? Il a une résidence et un domicile. Mais c'est où la résidence ou le domicile ? Donc, je ne comprends Allez, pas. Allez, on enchaîne. La directrice de la CAF. Oui, mais oui Josiane bien sûr, Cazale. Josiane Cazale. Cette fois-ci, on le dit bien, Madame Cazale. Josiane Cazale. Donc, vous voyez le monsieur qui avait dit votre nom bizarrement. Enfin, donc, vous avez dit Chacal et lui, il avait dit Chazal. Exactement. C'est un mix des deux. Exactement, Josiane Cazale qui dit à ses employés, bien sûr aujourd'hui c'est devenu comme ses enfants, non je veux pas que vous traîniez avec les agents de la caisse, ils sont mauvais pour votre avenir, et à chaque fois les mecs de la caisse ils vont pour les choper, venez ensemble, on a la même convention collective et tout, vous venez pas faire la grève avec nous, et là les agents de la CAF, ah non maman ne veut plus qu'on traîne avec vous, vous êtes une mauvaise influence pour nous, mauvais pour l'avenir, et d'ailleurs apparemment maintenant on sait plus si vous êtes des agents de la caisse ou des pyromanes, hein, parce que les pneus que vous avez brûlé, franchement... Les mecs qui travaillent chez Zoom. Ah, exactement. Allez, on enchaîne. It was a good day, alors, franchement. Et puis, bien sûr, cette semaine encore, on a appris la police qui a fait irruption aussi dans les lycées, au lycée de Mamoudzou, avec le capitaine Chamassi qui répondait à toutes les questions des élèves. Ouais. Mais attention, c'est vrai que quand même, il a été fort parce qu'il a su montrer aux élèves que lui aussi, il s'est tapé les 6e, les 5e, les 4e, les 3e, toutes ces classes, il les a fait parce qu'il y avait un malin parmi les élèves qui disait « Mon capitaine, what's the day today ?» Et le capitaine dit mais oh, tu fous ma gueule ou quoi? Ben is in the kitchen. Et il paraît que le pont Beilé de Tsunzu n'est pas prêt de s'écrouler. Il paraît qu'il n'est pas prêt de s'écrouler. Ben attendez, là déjà qu'ils vont le renforcer bientôt, tant mieux. Parce que là, ils ont commencé par les feux rouges, les dodans, bientôt il y aura des cassis. Mais attention, les postes de péage ne sont pas prêts d'arriver. D'ailleurs, je vous ai dit, le nouveau pont qui est là, on perd du temps pour rien. Prenez, bien sûr, comme nos mamans là qui vont, bien sûr, en Thaïlande ou tout ça, là, un pont préfabriqué. Ça ira très vite et les gens vont fermer leur gueule. N'importe quoi. Cette fois-ci, c'est sûr, hein, les gars. Hein. On est dans la merde. Avec ça, normalement, on est dans la merde. Ça y est, on y est complet. Non, mais pour l'instant. Oui, non, mais alors, je vais te choper, moi. Voilà. Voilà, on l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Il vous emmerdera plus. Cozy Cozy, c'est la télé pour tout le monde. Nous tous, on est tous Cozy. J'aime Kwesi, j'adore Kwesi, Kwesi c'est nous.